Ouais, ah, ouais. Démonstration. Non, normalement, c'est ta combien. Je profite de ce moment pour vous montrer ce que j'ai acheté parce que là donc je vais attendre un petit peu avant de pouvoir rentrer et j'ai fait quelques achats. Je vous montre ça tout de suite. On commence avec un Totoro, oui, en crochet. Et en fait, il y avait autre chose qui m'intéressait, c'était une grenouille verte, donc en rappel à Kailou. Donc mon pseudo gaming, où en fait les émotes que je fais, je pense que je vais vous montrer, c'est ma tête avec un petit hoodie en forme de grenouille verte. Et je voulais vraiment l'acheter, mais j'hésitais, mais il y avait Totoro aussi. Et il y a une amie qui est apparue aussi et qui m'a dit Totoro. Je vais vous mettre ensuite c'est quoi la page, parce que je ne me rappelle plus exactement. Mais celui-là, il était à 30 000 là, et quand même il est mignon avec ça. C'est tout doux, c'est trop mignon, ça ira dans mon décor de stream que je suis en train de refaire. Autre chose, vous savez, je suis fan de matcha. Donc, bien sûr, je suis passée chez Vao Suzette qui a un nouveau matcha. Donc là, c'est vraiment un matcha cérémonie, c'est 20 grammes. Et il est à 35 000 arrière, il me semble. Et comme je n'ai presque plus de matcha, ben, j'ai voulu en acheter. Je pense que j'aurais dû en prendre deux, en vrai. Mais voilà, je ne vais pas vous montrer tout de suite la couleur, parce que sinon, pouf, tout va partir. Et si vous me voyez, regardez un petit peu à gauche, à droite, c'est parce qu'il y a des gens qui passent devant moi et qui doivent être en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Troisième achat. Donc, ça vient de... Attendez. Je vous montre. Hop. Voilà, ça vient de Kla. Je pense que certains ont déjà vu et j'avais très très envie d'acheter leur t-shirt depuis un moment qui m'a l'air hyper sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est à rayures et donc voilà, j'ai pris un t-shirt à rayures rouge et comme c'est oversize, on m'a proposé de prendre du M. Voilà. Je voulais le vert, mais on m'a dit que le vert n'était plus disponible. Et là, j'ai été vraiment sage. J'ai pas acheté énormément de choses. Donc là, vous voyez que j'ai acheté 3 produits. Et sinon, ben voilà, j'ai fait le tour, j'ai pris des contacts, etc. Et il y avait un food court aussi, où j'ai mangé chez Harlequin, parce que moi, j'adore la cuisine indienne. J'ai beaucoup marché, je ne sais pas, j'ai fait combien de pas. On va voir.
J'ai fait 7491 pas aujourd'hui. Je suis contente. Bon, c'est pas 10 000, mais donc j'ai marché 5 km, c'est bien. Donc voilà, c'était le résumé de cette journée. Je me suis bien amusée, j'ai rencontré beaucoup de gens. J'étais très contente de passer du temps chez Artisao. Je me suis bien amusée côté crochet, macramé, tout ça, tout ça. Et voilà, c'était cool. Puis j'ai découvert un petit peu Madagascar aussi, parce qu'il y avait un village Madagascar, donc c'était plutôt sympa. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Là, je parle beaucoup, mais j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Et je vous remercie à tous ceux qui soutiennent la page, tous ceux qui soutiennent ce contenu. Et on se dit à très bientôt. Et moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end.